d'État, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Avec vous un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables, en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahman Chani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.